J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis à l'école de Joy, je viens de la déposer. J'attends là à 9h, j'ai une réunion. Donc j'attends dans ma voiture tranquille. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, Joy, on doit aller à l'hôpital, elle doit faire une prise de sang pour son endocrino. On doit le faire dans les 2-3 mois après la première prise d'hormones de croissance pour voir le taux, etc. S'il faut augmenter ou si c'est bien. Voilà, mais déjà je trouve que Joy a, je pense, enfin j'ai l'impression qu'elle a un peu grandi. Après grandir, je sais pas combien de centimètres, mais je trouve qu'elle a quand même un peu grandi et elle a pris beaucoup de poids parce que maintenant elle devient lourde pour moi alors qu'avant je la portais, ça va. Et maintenant, genre, au bout de 2 minutes, franchement, elle est lourde. C'est genre comme un poids mort quoi, elle est lourde, elle se laisse porter donc elle est vachement lourde donc je trouve qu'elle a pris du poids et je pense qu'en même temps elle a un peu grandi. Maintenant, avec la prise de sang, on va voir si le taux est bien qu'elle a donné l'endocrinologue par rapport aux hormones de croissance, s'il faut augmenter ou pas. Baisser, non, parce que Joy, je crois qu'elle a la dose minimum là. Mais voir s'il faut monter ou laisser comme ça. Et il n'y a que par une prise de sang que tu peux le voir, quoi. Donc, du coup, aujourd'hui, je dois l'emmener à l'hôpital faire une prise de sang. Et en même temps, en fait, Joy, elle devait faire un test génétique. Et donc, je m'étais dit, je le fais en même temps. Comme ça lui évite d'aller 2 fois à l'hôpital et faire 2 prises de sang. J'aurais fait une prise de sang et elle m'aurait fait pour les deux, j'aurais donné 2 ordonnances. Hier, je commençais à chercher de partout, sauf que ce papier, je l'ai depuis longtemps pour le test génétique. Mais j'attendais de faire les 2-3 mois par rapport à ces hormones pour faire en même temps. Donc j'ai mis ce papier quelque part, je ne le trouve plus. Impossible. Hier, j'ai cherché parce que je l'avais mis à part. Je le trouve pas. Hier, je cherchais un gros gros dossier que j'ai de Joy. Gros dossier genre médical, mais c'est un truc épais. Genre il est comme ça le truc. Donc c'est pas, je cherche pas une clé quoi. Je cherche un gros dossier, ça se voit quoi. C'est ça que je veux dire. Hier, je le cherche de partout, je le trouve pas. Je me dis putain, il est où ce dossier? Il y a tous les trucs de Joy depuis le début quoi. Je me dis j'aurais pas pu le perdre. En plus c'est un truc que je sors jamais quoi. À part dès qu'on va chez un médecin, un professeur ou quoi, je l'emmène mais. Et généralement, on ne revient même pas, mais je le prends tout le temps au cas où, parce qu'il y a vraiment tout, tout dedans. Je le trouve pas chez moi hier. Je me dis, bon, il doit être peut-être dans la voiture ou quoi. Parce que la dernière fois que ma grand-mère, on était parti à Marseille. Donc, je me suis dit, j'ai dû le prendre. Mais vu qu'entre-temps, on est parti à Marrakech, je me dis, je sais pas, peut-être que j'ai vidé ma voiture, je sais pas où il est. Ce matin, je cherche dans la voiture, introuvable, introuvable. J'appelle ma grand-mère, je dis, non, mais attends, c'est pas possible que je trouve pas ce truc, il est où et tout. Et là, en attendant, en déposant Joy, j'ai bien cherché dans ma voiture, je l'avais mis sous un truc, enfin bref. Donc, je l'ai trouvé. Sauf que le papier n'est pas dedans, évidemment. Voilà, évidemment. Et en plus, je crois que je suis obligée d'avoir déjà l'ordonnance. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, même si je trouve l'ordonnance, il me faut le consentement. Genre, c'est obligatoire. J'avais plein de papiers à signer, tout comme quoi j'étais d'accord. De faire les tests génétiques sur Joy. Et en fait, je trouve ni l'un ni l'autre. Ni l'ordonnance, ni le consentement. Donc, je ne vais pas pouvoir lui faire aujourd'hui. Je suis dégoûtée. En plus, ça prend du temps pour avoir les résultats d'un test génétique. Parce qu'elle m'avait expliqué, la neuro, qu'il cherchait vraiment tout, 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 tout était analysé. Donc, elle m'a dit au fur et à mesure, elle pourra peut-être avoir des résultats qu'elle pourra me dire. Mais ça prend à peu près 6 mois, quoi, elle m'a dit, pour avoir les résultats. Donc ça prend du temps. Bon, on va dire on n'est plus à ça près, mais de toute façon, comme elle m'avait expliqué, si Joy a un problème génétique et que ça matche avec un problème génétique, ça changera rien. Ça changera rien, c'est juste de savoir si c'est génétique ou non. Et en fait, si ça matche avec quelque chose, je crois qu'après moi, je vais devoir le faire. S'il y a un truc génétique, s'il n'y a rien de génétique, sans que je le fasse. Mais s'il y a un truc génétique, ce sera après à moi de faire une prise de sang. Et voilà. Et voilà. Mais déjà, il faut que je le fasse à Joy. Mais en fait, je voulais faire une pierre deux coups, quoi. Je voulais pas lui faire faire la pauvre 2 prises de sang. En plus, Joy, les filles, vous savez pas comment j'ai l'angoisse aujourd'hui. Bon, là, je vais travailler entre-temps. Mais ce soir, c'est cet après-midi la prise de sang. Mais genre, Joy, elle a des veines. On les voit pas. On les voit pas à chaque fois qu'on va à l'hôpital, par exemple, pour. Qu'elle doit faire une prise de sang ou elle est hospitalisée ou quoi. C'est une catastrophe parce qu'ils ont du mal à lui trouver les veines. Moi, je suis là, je tremble parce que je crains les piqûres. Je suis à moins de m'évanouir.
Il n'y a pas mon mari, donc c'est quelque chose que je dois faire moi, que je crains. Que Joy, elle est pas bien, moi ça me rend mal qu'elle soit mal, et en plus je crains les piqûres, donc je me sens mal. Et donc je vais devoir le faire quand même. En fait, pas le choix. Voilà, mais c'était pour lui éviter deux trucs. Je vais essayer de joindre la neuro, mais je crois qu'elle est pas à son cabinet le lundi, donc c'est mort. Faudrait que j'y retourne, je pense, et que Joy fasse deux prises de sang. Voilà. En plus, Joy, quand il trouve pas ses veines, il la pique 50 000 fois. Genre, sa douleur, on dirait qu'elle est pas bien, c'est moi, je le ressens. Genre, je sais pas comment vous expliquer. On dirait qu'elle me donne son mal. Donc, quand je suis là-bas, je suis pas bien. Bon, c'est qu'une prise de sang, vous allez dire, mais pour moi, une prise de sang, ça me rend mal. Voilà. Donc, j'attends 9 h, là, encore 20 minutes pour la réunion. J'ai une réunion de Joy aujourd'hui, je vous ai dit, non, au début, à l'école. Et voilà, après je vais travailler. Ah, pour le temps, donc pour l'anniversaire de Joy, il devait pleuvoir. Il y a 2 jours, je regarde la météo, il devait pleuvoir. Hier, je regarde, beau temps. Bon, j'ai envie de vous dire, ça change rien, parce que de toute façon, on ne comptait pas le faire en extérieur, c'était en intérieur. Mais du coup, j'ai annulé hier ce que je devais faire. Et oh purée, je suis en train de vous dire, je change de gâteau, là, faut que je regarde des idées.